Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'unboxing. Donc j'en avais fait qu'une jusque-là. C'est parce que à chaque fois que je reçois des colis, je dis je vais en faire une et du coup j'ouvre les cartons comme un gamin et je me dis merde, j'ai pas fait la vidéo. Donc du coup là j'en profite. J'ai tenu bon jusque-là. On va faire l'ouverture de ces cartons ensemble. C'est des cartons qui viennent de chez Maxiprotect, hein, bien sûr, évidemment, avec des choses qui vont plaire à pas mal de gens. Des trucs insolites qu'on va pouvoir présenter également. Donc ça va être plutôt cool. On va lancer ça tout de suite. Je vais commencer par le petit carton et on fera le grand à la fin. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est toujours plus sympathique. Il y a un live tous les dimanches à 20h30 avec un lot à gagner chaque dimanche. Et vous avez dans la description, je vous mettrai d'ailleurs tous les liens de ce qu'on va ouvrir aujourd'hui dans la description pour ceux qui sont impatients. Et vous avez les codes de réduction MICARM, MICARM 10 et MICATAZ. Qui vous offre des réductions quand vous faites des achats à partir d'une certaine somme. Voilà. Allez, c'est parti, let's go. Toujours comme un gamin quand on ouvre des cartons parce qu'on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Ah, il y a des choses, je suis pas au courant. Il y a des choses, je sais ce que c'est. Il y a des choses, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, des trucs intéressants, je suppose déjà. J'ouvre bien pour qu'on puisse bien voir. Alors, déjà, on a un pistolet XP4 de chez Beretta. Alors, ça fait quoi ça? Stogger qui fait ça. Donc ça va être sympa. Alors je lis derrière 4,5 mm, 130 mètres secondes. Bon, je l'ouvre vite fait quand même pour vous montrer que je suis assez curieux. Parce que je ne connais pas du tout ce modèle-là, du coup je ne savais même pas que j'allais recevoir. Et ça, c'est des petits pistolets qui vont plaire aux gens qui font du tir au domicile. Alors il n'y a rien de spécial dans la boîte, hein. La boîte est morte de toute façon. Alors. Et là, il y a une sûreté. Ok, il y a un cran de sûreté déjà, donc c'est joli. Hein. Simple. Ah, d'accord, ok, je crois que je sais comment ça fonctionne en fait. Donc, ce Stogger XP4, il est pas mal du tout. Il me fait penser à un autre modèle qu'on avait pu voir dans d'autres vidéos. Ça va être un système d'armement piston, comme ça. Hop. Et on vient le refermer. Attention, je vais tirer, ça va faire un petit peu de bruit. Donc du coup sympa, bon à découvrir ensemble. Allez c'est parti, le reste. Alors avec quoi dedans là? Bon des plombs. C'est parce que je vais bientôt vous faire une vidéo comparative sur les plombs 4-5 avec la XM1 de chez Stogger. Et en même temps on pourra la passer au chrony. Alors j'ai pris des plombs des match grades en plat de chez Crossman. Des billas qui font combien de grammes ça? Ça fait combien de grammes ça? On les pèsera. Parce que on a un, un lance-pierre de compétition. Un Barnett Pro Diablo. Alors je sais pas trop ce que ça vaut. Mais ça on va le passer au chrony et tout. Ça doit être monstrueux, je suppose. Hein. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ce machin-là. Mais ouais, ça doit être vraiment, vraiment, vraiment monstrueux ce machin-là. Donc, je vais pas le déballer tout de suite. Je vous le montre. On le découvrira en vidéo ensemble. On le passera au chrony. Mais à mon avis, ça doit envoyer. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Ça, c'est des petits trucs insolites, ça, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Un pistolet break barrel. Alors, celui-là, ça, par contre, c'est moi qui avais décidé de le prendre. Puisque j'ai présenté quelques break barrel depuis qu'on est sur cette chaîne. Mais qui dépassait pas les 3 joules 5. Et quand j'ai vu ce modèle rentrer sur Maxi, on est sur un break barrel, donc c'est le Trevor de chez Marex, mais celui-ci développe 7,5 joules. Donc peut-être plus adapté à des gens qui cherchaient un peu plus de puissance pour faire du plinking, de la cible basculante. Oh la vache! Ah ouais! Non, il est. Ah ouais, c'est un beefsteak, hein. D'accord, ok. Donc 7,5 joules, c'est ce qu'ils disent hein, à peu près. Donc là, bon, il y a une boîte d'emploi, ok. Ça fait penser à la boîte d'Artemis.
Non, qu'est-ce qu'ils annoncent, eux? Ils annoncent bon, du 4,5 mm, 7,5 joules. Alors, tac, tac, zone de danger, jusqu'à 460 mètres, d'accord, ok. 150 mètres seconde, ouais, bah écoutez, pourquoi pas, hein. Organe de visée réglable, hauteur dérive. Bon, ça va, c'est pas fou, attention, ça va faire du bruit. Ouais. Ouais, je suis pressé, celui-là, le Trevor. Trevor, Trevox. Ah, Trevox, pas le Trevor, Trevox, ok. Bon, allez, on va mettre ça de côté. Ça va être le bordel. On va ouvrir le grand carton maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce grand carton? Ça, strictement rien. Bah, n'oubliez pas qu'il y a aussi la vidéo concours Armada, hein, qui traîne toujours, hein, jusqu'au 30 mars ou aux 10 000 abonnés. Donc, ça sera bientôt. Donc, pour ça, il faut laisser un commentaire sur la vidéo que je vous laisserai en bas de la description et du commentaire épinglé. Sur la vidéo du concours. Oula, vous allez aimer là. Oula. Bon, j'ai des petits plombs là, j'ai vu. Non, je sais pas trop ce que c'est comme plomb. Non, c'est pas des plombs, c'est quoi là-dedans? Oula, ouais, d'accord, ok, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. On en parlera dimanche. Ok. Alors, ça c'est pareil. Un petit arc à poulie. Alors, c'est du loisir, hein. Mais ça va être marrant, je pense. Avec des petites flèches et tout, là. Ça, on va se tester ça, là. Ça va être sympa, ça. Petit arc à poulie de loisir, un petit peu comme l'arbalète pistolet que je vous avais présenté, mais là, en loisir. Donc, il est tout prêt, monté. Je pense qu'il n'y a plus qu'à tirer, en fait, avec. Hein. C'est prêt à l'emploi. Alors, il est évolutif au niveau de la dureté, je crois. S'adapter enfant, adulte, novice, débutant, tout ce qu'on veut, voilà. Bon bah écoute. Il montre Cupidon, non, c'est ça? Mais je pense que si lui tire une flèche dans le cul, tu vas le sentir passer, tu vas pas être amoureux longtemps. Hein. Parce que si c'est une vraie flèche. Oh, pardon. Yo a prévu que j'allais en casser quelques-unes. Ah putain, c'est des. Ah ouais. Ouais. Pour l'arc, c'est pas. Ouais, d'accord, ok. Donc j'ai des traits en plus, parce que cela est un peu fatigué, je vais pas vous mentir. J'ai pris quelques bûches. Putain, il y en a des trucs à tester là. On a deux flingues, un lance-pierre. Putain, le lance-pierre, à mon avis, il doit. Ouais. Il doit envoyer du pâté. Alors, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, j'en ai aucune idée. Et c'est là où on va découvrir ensemble. Alors, c'est quoi le sens d'ouverture? C'est ça. Ok, donc. Ah oui, ah oui. Pour ceux qui étaient restés en reste avec, enfin qui étaient restés en reste, qui étaient restés sur leur fin avec la arbalète là, on a reçu. Guette-moi ça. Bon, bah va falloir que je m'amuse à assembler tout ça. Ouais. Donc on a des traits. Oh la vache. Une John Dao. Ouais, ça doit envoyer quand même. John Dao, je ne sais pas quel modèle. Barton, 150 livres. Ah oui, si, c'est d'accord. Ah oui, d'accord. T'as bien des choses à monter là. Moi, ouais, je vais m'amuser, tiens. Il y a l'arc qui est là, là. Waouh. Il y a des balaises. Hein. Merde. Une lanière. Ok, là, on est sérieux, sérieux là. Ok. Ok, ça me parle. Ça me parle. Petit système de visée là, je vois, d'accord, ça c'est quoi ça? Système, bah la corde d'armement, comme ça je pourrais vous faire un tuto montage. Ok, ça j'aime pas ce que c'est ça, c'est quoi ça? Porte-flèche, ok. Des carreaux encore, enfin des carreaux, et des carreaux, mais sont les pointes? Il n'y a pas de pointe. C'est quoi ça? Ah, il y a une lunette! Ah oui! Bon, ok. L'étrier. Il n'y a pas des pointes de flèche là? Quelque part là? Ça fait flipper, enfin de carreaux. Ah, si, elles sont là. Elles sont mises à part, c'est pas con ça. Ok. Et ça, c'est quoi? Des vis pour assembler.
Ok, bah je pense qu'on va s'amuser à monter ça. On montera ça dans le salon, hein, parce que je vais pas m'amuser à monter ça dans le garage. Donc on fera ça mode canapé, comme pour la petite arbalète. Hein, si ça dérange personne. Putain, je suis pressé là. Ah, la sûreté derrière et tout, regarde. En petit camouflage comme ça là. Ok. Ça va taper ça. Okay. On est sur un truc qui rigole pas là. Ok. Ça va. Je signe. Alors, ça c'était où? C'était là, je crois. Truc dans le genre. Et la lumière, elle devait être là. Ok. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cet unboxing. Bon, bah, je vais vous laisser le choix de ce que je présente en premier. Voilà. Ou faites-moi un ordre, tiens. On a, du coup, alors, on a un pistolet break barrel. Très intéressant, puisque énergie autonome, hein, il y a juste à casser à tac, sur un prix plutôt très intéressant en plus, je crois. En plus, c'est du Marex, donc on sait que quand même, bon, on sait chez qui on va. 7,5 joules, ça peut taper 15 mètres au moins, facile, hein, en 4,5 mm. Donc on a ça, alors vous choisissez le pistolet break barrel, le lance-pierre, qui ça va être un vrai délire, ça va être fun. Ça va être fun. On a... le pistolet Stogger qui s'alimente bizarrement comme ça. Je le refais. Voilà, simplement. Attention, je vais tirer. Ouais, ça peut être pas fort. Ok, mais ça veut pas dire que ça peut être pas fort que ça. Sympa, petit système autonome, encore une fois, hein, pas de dépense de CO2. Donc on a le petit break barrel là, comme je disais, sur la boîte. On a les billes pour le lance. Boulette là, putain, c'est le bordel. On va voir, j'enche tout ça après. Là, je m'arrange comme ça aussi. Là. Et on a l'arc. Sachez que pour moi, ça va être la première fois de ma vie que je tire à l'arc. Il y a un début à tout. Donc, ça risque d'être folklore quand tu vas falloir atteindre la cible. Alors, je sais pas jusqu'à quelle distance on peut tirer avec ça, on verra bien. Voilà, ça peut être marrant. Mais on en fera rentrer des gros à poulie et tout. Hein. Ça va être. C'est là, c'est le début quoi. Et ça peut être bien pour initier les enfants ou les, avec leurs parents, bien sûr, hein, toujours. Mais c'est évolutif, hein. Je crois que tu peux régler de 18 à 28 livres, voilà, c'est ça. Donc de 18 livres à 28 livres, ce qui est pas mal, voilà. Donc ça s'ajuste au niveau de la taille aussi, pas mal de choses, ok, super. Voilà, c'est vous qui décidez dans les commentaires. Merci à ceux qui s'abonnent, n'oubliez pas, vous avez tous les liens dans la description. Je vous mets tous les liens aussi, surtout de ce que je viens de vous montrer. S'il y en a qui connaissent déjà le produit, qui veulent se faire plaisir avec un code de réduction, bah faites-vous plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!